Être un cadre, c'est une charge et non un privilège. Indépendance, viva! Viva! Il s'est tenu le jeudi 25 mai 2023 un séminaire de renforcement des capacités à l'intention de jeunes issus de l'UDPS, Fédération de Mbujimayi, organisé par la Ligue de Jeunes du parti au pouvoir, section de la Mouya, sous l'initiative du président de la dite section, l'homme Delphin Mukendi, autour du thème « La jeunesse face aux enjeux électoraux ». Ces assises ont eu pour cadre la salle de conférence de l'hôtel Cabet de Luxe, en présence de quelques membres et cadres de l'UDPS, ainsi que différents invités. Quatre différents orateurs ont intervenu au cours de ces assises. Prenant la parole en premier lieu, Edouard Mukendi a axé son intervention sur l'impact de la jeunesse dans le processus électoral. Étant majoritaire, il a demandé à la jeunesse de quitter la distraction. Vous voulez diriger, vous voulez avoir des postes. Il faut d'abord comprendre que vous êtes nombreux. Et si vous êtes conscientieux de vous-même, vous pouvez tout faire. Bon, mais tu penses que tu as un peu impacté. Tu as impacté l'élection qui n'a pas été. Tu as impacté la vie politique. Mais, dans mon cas, je vais servir le prédateur politique. De son côté, Bavon Mbuyimukuna a parlé du rôle d'un député. C'est leur cet élu de l'UDPS. Un député est appelé à faire la volonté de la population qu'il a envoyée au Parlement pour défendre sa cause. Vous faites la volonté de celui qui vous a envoyé et les décisions qu'il vous communique. Et dans ce cas précis, c'est la masse. Parce que quand on va subdiviser aujourd'hui, Nashi, Koutegani député, Nibamoussou, le Moussou, la circonscription, Kampanda, nous sommes dans la Chine, Mouaba, coefficient ou du Boubenzemen de répartition des sièges. 50 000, Agnès 80 000, parce qu'aujourd'hui, si vous devez prendre dans le, disons, arrondi 44 millions, qui divise 500 députés, quand vous divisez, aujourd'hui nous allons tomber à Bikeni, Bouni Moutou, et 80 000 voix pour avoir un siège sur un endroit précis. À son tour, Nicolas Mbia, militant du mouvement citoyen Lucha, a exposé sous le thème « La manipulation de la jeunesse par les politiciens ». Dans son intervention, il a démontré que pour lutter contre la manipulation, la jeunesse doit connaître les rôles d'un député ou sénateur pour savoir à qui s'adresser, à qui adresser les doléances et arrêter de se victimiser. Il n'y a pas de travail, on s'éteint. Mais quand on va honorable, on demande de l'argent. On ne pose jamais le problème que voilà tel problème là. Voilà, on n'a pas du travail. Voilà, il n'y a pas telle chose. Qu'est-ce que le gouverneur fait? Parce que le gouverneur a pris des engagements. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Donc, j'aimerais nous encourager. Sortons de notre zone de confort. Il y a des choses qui changeront que lorsque vous irez en fait bouger la porte. Il y a des choses qui changeront que lorsque vous irez frapper à une porte, dire « Ouvrez cette porte et donnez-moi des réponses. » Choix judicieux et rationnel, un facteur déterminant le développement du Kassai oriental et le sous-thème du quatrième et dernier intervenant. Dans son exposé, Pius Mukambila a précisé que le destin du pays passe par la jeunesse, étant donné qu'elle est appelée à faire un choix aux urnes pendant le scrutin pour se choisir un dirigeant. Au jour d'aujourd'hui, Kambila n'a pas là, tout le monde est au col. Bajer devant Trigo, devant Maputa, devant Nintilamba, Bariba Huamoui, Bakasumu le Bintoabi, mais conséquence, quand on a changé de classe politique. Qui boit le gars, Excellence Edouard Ouano Amin, moi, vous êtes ici comme des responsables. Nous avons dit qu'il faut changer le marque révolutionnaire, vie ou de l'inéde. Pour révolutionner la vie, ça dépend de votre détermination, de votre choix judicieux, rationnel,
qui est facteur d'un développement durable. Pour clôturer, le président de la jeunesse de l'UDPS, section Mouya, l'homme Delphin Mukendi, a dans son discours remercié tout le monde qui s'est impliqué financièrement ou matériellement dans la réussite de ces assises. Sans oublier ceux qui nous ont appuyés financièrement, matériellement et aussi avec des conseils. Je dis d'abord merci à celui qui nous a donné cette salle. C'est par une ambiance conviviale que s'est clôturée cette manifestation. Le président